Bonjour à tous! Bonjour! Et aujourd'hui, on vous accueille pour un épisode un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'on va jouer à un jeu coréen. Ouais. Qui s'appelle Fun Dit. Oui. Et comme vous pouvez voir, le c'est écrit ici en coréen. Et je vous avoue ne pas savoir comment le lire. Mais bon. Donc c'est un jeu de Taeyong-go. Alors je m'excuse si je prononce mal. Illustré par Axti. D'accord? Si vous pouvez lire. Dis-le en commentaire comment on lit. D'accord. Alors, ça se joue à partir de quel âge? 7 ans. Et de combien de joueurs à combien de joueurs? 1 à 5. Ouais. Et pour des parties de combien de temps? 20 minutes. Oui, et vous verrez, Foldit, en fait, porte bien son nom. Foldit, ça veut dire donc plier. On a tous un petit morceau de tissu comme ça, ouais, qui représente 16 plats différents. Alors, des deux côtés, c'est la même chose. Alors, on vous expliquera les règles pendant la partie, mais vous verrez, il faudra plier. Et c'est génial parce que vous pouvez plier de plein de façons différentes. Le tissu est fait de manière à ce que ce soit très facile de le faire. Avec des cartes qui représentent toutes des groupes de plats qu'on utilise pour le menu. Alors, il y a 16 plats. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour la partie. Ouais. Et vous verrez, c'est très amusant. A tout de suite. Ouais, mais je sais qui va gagner, hein. Bah. Alors, on va jouer à Foldit. Foldit. Alors, Foldit, c'est un jeu coréen, mais on va vous verrez, on en reparlera un peu plus tout à l'heure. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se joue. Donc, on a chacun un petit tapis, enfin un tissu comme ça, avec 16 plats différents qui sont les mêmes des deux côtés. Et le but du jeu, ça va être de reproduire les recettes qui sont représentées sur les cartes. Les cartes bleues sont des cartes faciles, les cartes oranges sont des cartes difficiles. Ouais. Au début du jeu, on commence avec 3 étoiles. Bon, pour la partie, on n'en a pris que 2. Parce que ça fera une partie plus courte pour la vidéo. Ouais. Et le premier joueur, on va dire Takako, va choisir une carte de l'un des tas et on va essayer de reproduire le plus vite possible le menu qui est représenté. Ouais. Et dès qu'on a réussi, on peut prendre un de ses jetons. Et vous avez remarqué qu'il n'y en a que 2 pour 3 joueurs. Ça veut dire qu'il va falloir être le plus rapide possible. Allez, c'est parti. Takako, tu commences. Et en fait, si on oublie de prendre... Bah oui, mais faut pas oublier. Allez, on y va. Ok. Allez. Alors, tacos, spaghetti et pizza. Tacos, spaghetti et pizza. Tacos, spaghetti et pizza. C'est où? Non, tacos... c'est le sandwich. Ah, ok. Ah, ouais. Ah non, j'aime pas ça. Ah, ouais. Hop. Hop. Déjà! Mais j'ai réussi. Donc, vous pouvez voir que moi j'ai réussi. Moi aussi. Takako aussi, et Lana est la dernière, donc Lana perd une étoile. J'ai jamais réussi. Non mais trop tard, tu perds une de tes étoiles. Parce que maman elle est trop crampée. Et là comment c'est... Alors Lana, tu peux choisir la recette que tu veux. Facile. Vas-y, 1, 2, 3. D'abord ça il donc, est là. Brochette et... je sais pas. Brochette et je sais... ah oui d'accord, ça c'est facile. C'est facile mais je fais n'importe quoi. Facile. Ah, je fais n'importe quoi. Alors souvent sur les recettes faciles, c'est celui qui va le plus vite. C'est pas que... Non. Ah, tout juste, j'avais réussi moi aussi à garder les deux. Oh, t'as fait comment? Donc je perds une étoile. Bien, vous remettez votre jeton au milieu. Maman, elle est vraiment trop forte, ce jeu. Alors, je vais choisir, attention, une recette difficile. 1, 2, 3. Il faut faire 3 plats. Le crabe... Juste pour moi. Le crabe... Les frites et... Les frites. La salade. Alors attends, le crabe, les frites. Et. Oh, ça va être super dur. C'est toi qui voulais faire ça, hein? Bah oui, mais. Oh non! Oh, le truc que j'aime pas! Oh! J'ai déjà réussi! J'ai déjà réussi! Hop! Bon, c'était difficile, mais pas si difficile que ça en fait. Et blabla! Bon, les filles, c'est quand vous voulez, hein. Mais la vidéo va être plus longue. C'est bizarre. Allez, je compte jusqu'à 5. Non. 1. Non. 2. Et voilà. 3. T'as réussi? Non. 4. 5. Ok. Non. Donc, bon, allez, vous perdez pas d'étoiles. Et on va dire que ça compte pour rien. Il y a que maman qui perd une étoile. Allez, on y va. Bon. Alors... Takako, vas-y, tu choisis. Non! Difficile.
Alors c'est quoi? Quatre plats. Donc, il y a quoi? Il y a la crêpe, les tacos, l'omelette et le poulet. Oula. Ouh, ça va être dur. Oui, ça va être dur, là. Ah, oui. Un, deux, trois. Omelette. Et... Et, mais ça va être super dur, quoi. Je sais pas comment faire. Mais c'est toi qui as choisi, hein. Ouais, c'est pas c'est bon. C'est quoi? C'est... Maintenant. Ah ouais, c'est dur, en face. Ah, c'est super dur. Pourquoi t'as choisi ça, maman? Comme par hasard. Pour le challenge. Ouais. Comme par hasard, tu fais n'importe quoi, c'est ça? Comme ça. Il me manque quoi, là? Comme ça. Ça va, j'ai tout. J'ai tout, mais en fait, c'est la crêpe qui me gêne. Non, j'ai tout cassé! J'avais fait comment, là? Je m'en souviens plus, comment j'avais fait. Ça y est! Ah, t'as quoi, t'as réussi? Ouais. Tiens, montre. Ouais. Bon, bah... Ouais. Moi, c'est... C'est pas facile. Allez, on se dépêche, on va essayer de trouver. Allez. Non, je vais perdre. Regardez pas. Comment? Oh! Non, je vais encore être dernière, comme d'habitude. Oh! Oh! Ça y est. J'ai réussi. Ouais. Mais comment? J'ai réussi. Comment ça? Hop, Lana, tu perds ta dernière étoile. Non. Mais je peux faire. En fait, j'ai plus étoile. Mais alors, t'as qu'à continuer. Moi, on n'a plus qu'une étoile. Oui, tu peux continuer, si tu veux. Alors, Lana, vas-y, tu choisis quelle couleur tu veux. Non, dur. Dur? Ah non, choisis un facile. Ah, pour dur. Vous, okay. Parce que donc, je suis mort. Brochette, tacos, salade et pizza. Brochette, et tacos, c'est un sandwich. Ah, ok. Ouais. C'est vraiment si facile? Oui, c'est pas... C'est facile. Vraiment? C'est plutôt facile. Comment pas plutôt, hein? C'est dur, hein? Ouais. Et t'as déjà réussi? Ouais. Ah, moi aussi, mais j'ai réussi, mais juste trop tard. Ah! Allez, une dernière match! Bien joué, Lana. Bien joué, Lana, n'importe quoi. Bien joué, Takako. Et c'est Takako qui a gagné. Alors, quand... Mais oui, c'est encore maman qui a gagné. Ouais, j'ai et pensé. Dis donc, je sais pas si t'as remarqué, mais maman, elle gagne tout le temps les parties ces temps-ci. Hein. Ouais. À Maudite Momini, à Quatsu, mais elle gagne tout le temps. Et il va falloir qu'on fasse attention parce que le problème c'est que maman elle est jamais sur la vidéo. C'est toujours nous deux. Mais c'est jamais nous qui gagnons. C'est toujours maman. Il faut qu'on fasse quelque chose, Lana. Il faut qu'on mange des Harry Potter. Il faut qu'on fasse la révolution. On peut pas laisser maman gagner comme ça. Ouais, bon. tu vas voir. Alors, Foldit, qu'est-ce que tu penses du jeu? Est-ce que tu aimes? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'adore les jeux puzzle. Ouais, t'as genre les jeux de puzzle, ouais. Et en plus, il y a. Et difficile. Oui, alors les cartes bleues c'est facile, les cartes oranges c'est difficile. Alors c'est difficile de s'en rendre compte là parce que vous pouvez voir qu'il y a 4 plats sur chacune des deux cartes, mais en fait dans l'organisation sur le tissu c'est beaucoup plus facile de réaliser celle-là que celle-là. Ouais. Et autant vous dire que parfois ça prend bien 3-4 minutes pour savoir comment résoudre le problème, et ça arrive souvent qu'il y a un joueur qui résolve le problème avant nous et qui attrape ce petit jeton qui lui permet de ne pas perdre d'étoiles, puisque les étoiles représentent vos points de vie. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre dans le jeu? Dis-moi. En fait, on a des étoiles, mais en fait, c'est les... si on est dernière, ouais. Comme ça, on perd des étoiles. Oui, c'est comme ça que tu c'est peux être éliminé du jeu. C'est pas qu'on gagne des points. Ah non, tu gagnes pas de points. En fait, le but du jeu, c'est de réussir à résoudre les puzzles assez vite, pour être le dernier à encore avoir des étoiles. Ouais. Alors normalement, on joue avec 3 étoiles en début de partie. Vous avez vu qu'on avait fait que 2 étoiles, c'était pour que la vidéo soit plus courte. Alors, c'est un jeu qu'on conseille. Ouais. Alors je sais pas s'il est facile de se procurer ce jeu. C'est un jeu qui était présenté à SN. Ça a été édité par Happy Baobab, qui est une maison d'édition coréenne. Et d'ailleurs, on tient à remercier les gens de Happy Baobab de nous avoir envoyé un exemplaire du jeu, puisque évidemment, on n'était pas à SN. Et on les remercie vraiment du fond du cœur pour ce jeu, parce qu'on y prend beaucoup de plaisir. Alors ce qui est génial, c'est que tu peux jouer tout seul aussi, tu peux t'entraîner. Non ?
Et je pense que c'est pour ça que maman nous a battus, parce que je sais qu'elle m'a dit qu'elle avait joué pendant 40 minutes ou presque une heure toute seule. Et c'est pour ça qu'elle gagne aussi, parce qu'elle s'entraîne. Je suis sûr qu'elle a essayé toutes les cartes pour pouvoir toutes les résoudre, comme ça elle les a toutes en tête. Malheureusement, ça marche pas comme ça, c'est pas si facile. Mais en fait, on prend vite le coup. Une fois, après 3-4 parties, vous verrez que les façons en fait de réussir les menus sont plus ou moins proches. Il faut juste savoir laquelle utiliser à quel moment. Et c'est ça qui donne tout le sel au jeu. Bon, on dit à bientôt ? Ouais ! Tu as autre chose à dire sur le jeu ou c'est bon ? C'est bon tout plein. C'est bon tout plein. Bon bah voilà. Ouais, mais j'ai un autre truc à dire. Ah bah tu vois, t'as un truc à dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? J'ai fait le même truc que la boîte. Oui, tu as fait comme sur la boîte. Bon allez, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Lana et son papa. Ciao ! Allez, salut ! Ciao, ciao !